Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Summer in Mara, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! On va aller acheter des clous. Ok, j'ai une requête particulière à vous faire. Dis-moi, il faudrait que vous répariez les canons. Pour la bonne cause, je le jure, une bonne cause qui impliquerait des canons. Eh bien, c'est pour des pirates. J'aimerais qu'ils m'aident à détruire des élites maléfiques. J'aimerais bien que tu es en train de t'attirer des ennuis, quoi. En effet, mais c'est très important. D'accord, je vais y voir ce que je peux faire. Et pour quel pirate? L'Ethio, la terreur, et je sais pas quoi... Je sais pas quoi, Demara. Ah oui, l'Ethio, il a demandé mon aide récemment. Il a un beau bateau, tu penses que... Non, oui. Et quoi? Bien, j'aimerais bien voyager vers le nord. Penses-tu qu'il pourrait m'y amener? J'ai besoin de transporter de grandes pièces. Je lui demanderai. Bon, rapporte-moi ces matériaux que je répare le canon. Elle m'a demandé de vous apporter des concepts personnalisés. Oh, il pourrait... On dirait un plat en argent et en or, il est beau. Je crois qu'il préparait un cadeau spécial pour nous. Une surprise. Il fait toujours ça en secret, quoi. Est-ce que tu veux m'aider avec ce concept? D'accord, je vais essayer. On va devoir faire fondre de l'or. J'ai obtenu une nouvelle recette. Bonjour. Ah. Ta-ta-ta-ta-ta-ta.
faire des tonneaux. Ah, ça en a. Des bananes, faire des tonneaux. Du charbon, j'aime pas trouver ça du charbon. Peut-être que je la jette. Deux lingots d'argent. Carreau 27. Ah, j'ai besoin des bananes. Mais où les bananes? Bon, je vais aller construire. Oui, c'est vrai. Bon, j'avais besoin. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je construise? Ah, la farde. La berry. Lou m'a dit d'être en harmonie avec les abeilles. J'aime les entendre bourdonner. Bientôt, elles produiront du miel. Et la reine des abeilles pour récupérer le miel. Il manque 4 clous. On va attendre encore. J'essaie d'acheter du jambon, mais du charbon. J'ai aucune idée pour où acheter ça. On commence notre saison bientôt, là. La saison d'horreur, ça existe-tu, ça? Où je m'en allais? Ah oui. Des lunettes, je sais pas ce que c'est. Oh, ce n'est pas une commission habituelle. Ne sois pas en retard. Voyons, putain. Du charbon. Yeah.
On va le voir au marché, on va voir s'ils vendent du charbon. Oh yes. C'est ça, je te parlais, Summer of Mara, in Mara. Mara, en fait, c'est toute la mer au complet, en fait, c'est la map. Il devrait me rester 5-6 heures avant de finir le jeu, j'imagine. En bas de 10 heures, j'espère. Déjà rendu à 15 heures de jeu. De plus. Oh, un tonneau. Ah, qu'est-ce qu'il manque? Ok, bon, ça, qu'est-ce qu'il faut? Deux lingots d'argent. Là, c'est d'en faire un deuxième. On n'a pas pu regarder avant. Des bananes, tu peux en acheter en même temps, je vais sauver du temps. Salut Marvin, comment tu vas? Dans la vie, dans ma tête, dans la vitrine de soi. Bon, j'ai besoin. Oh, des bananes, je crois que t'as pas de bananes. Non, des bananes. Et l'argent d'avant, tu dis? Merci. Qu'est-ce que tu vas? Thank you.
On a dormi vite fait, des fois qu'il y aurait des bananes. Ah, peut-être un des deux marchands de deux cuisines, peut-être qu'ils vendent des bananes. Caleb, je t'ai apporté le plat décoratif que tu as commandé. Je l'ai fait avec l'aide de Takeraji. C'est vrai? Je suis sûr que Noah va l'aimer. Merci, Koa. Le résultat est superbe. J'ai un dîner spécial avec Noah. Je fais bien de le préparer. Koa, pourrais-tu me faire une dernière chose pour moi? Qu'est-ce que tu fais? Ozo, le chaman, il a dit que nous étions déjà rencontrés, mais je ne me souviens plus de lui. Il y a une page de son journal qui raconte notre première transaction. Est-ce que tu pourrais le lui demander? Il n'a pas voulu me le donner. Mais je suis sûr que Noah adorait l'avoir, bien sûr. On va aller voir s'il vend des bananes ici. Non, pas de bananes. Ah, je pense que c'est des bananes, les croissants. Dis, est-ce que je peux t'embêter? Je m'appelle Enzo. Est-ce que tu connais déjà Noah et Caleb? Si on veut, mon journal dit qu'ils étaient des marchands débutants. Ils ne s'appréciaient pas beaucoup. Toutefois, ils ont découvert qu'ils formaient une très bonne équipe. Toute l'histoire est là-dedans. Ah oui, c'est ça. Caleb m'a dit qu'il voulait en faire un cadeau à Noah. Je ne sais pas. C'est mon journal. Un jeune page. Ce serait quelque chose de nouveau. Je pourrais l'écrire. J'ai un journal. Aujourd'hui, j'ai arraché une page afin de donner à quoi? Tu peux aussi inscrire que Caleb l'a donné à Noah, une nouvelle perspective d'Anzo. Oh, tu as raison. C'est une très bonne idée. Tenez, la voilà. Récupérez les pages. Regarde, c'est votre histoire. Fantastique, cette page a d'énormes valeurs sentimentales pour moi. Tiens, voilà de l'argent, merci, j'ai rien. J'ai bien peur que Noah oublie notre anniversaire, il l'oublie toujours. Oh, je suis désolé.
n'est pas grave, il se fera pardonner avec quelque chose d'énorme. Il ne m'énerve jamais, c'est pour ça qu'on s'aime. Vous faites une très beau couple. Je vois qu'elle est pétrée, vous avez peut-être oublié quelque chose, voyons. Il y a la journée du naufrage, mais c'est déjà passé. Il y a le festival des vents et des marins, 13 mois. Il y a aussi la nuit des lumières avec toutes les bougies flottantes. Oh, son anniversaire. Non, ça aussi c'est déjà passé. Je lui ai offert un nouveau chapeau. Il y a forcément une raison. Peut-être. Alors, quand est notre anniversaire? Ah, c'est sans doute ça. Vous avez oublié votre anniversaire. Ce n'est pas simple parce que j'oublie. Pourquoi? Tu comprendras quand tu seras plus grand. Je dois trouver un moyen de me faire pardonner. J'ai demandé il y a quelque temps à Kaji de fabriquer une miniature de bateau. Caleb en raffole, je devrais arriver à arranger sur moi comme ça. Tu veux bien aller lui demander? D'accord. Noé, Lord Pétrin, laisse-moi deviner. Il a oublié l'anniversaire de Caleb ou comment tu as deviné? Parce qu'il m'a demandé de fabriquer une miniature de bateau qu'il n'a jamais vu. Il est venu récupérer, alors je lui ai dit. Il avait complètement oublié, c'est une haute crachée. Il parle constamment de choses qui ont lieu il y a des éternités. Je n'arrive pas à croire qu'il ne se souvienne pas de ça. Il faut croire que ces histoires sont plus intéressantes que le quotidien. Tiens, prends le plan de miniature. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais je pense que tu pourras le fabriquer. D'accord, je vais essayer. Je vous rapporte la miniature, Noé. Fantastique. Je vais pouvoir la vendre à bon prix dans ma boutique. Noé, pour Caleb. Ah, c'est vrai. Notre anniversaire. J'espère qu'il ne s'énerve pas. Pour tout avouer, il s'énerve jamais. Tiens, pour cette récompense. Merci. Est-ce que le cadeau lui a plu? Énormément. Oh, vous êtes là. Est-ce que les choses se sont déroulées comme prévu? Exactement. Qu'est-ce qu'il était prévu? Si j'ai le droit de savoir, évidemment, t'as pris de conscience. Je n'apprendrai jamais. Je sais. Toi, tu as été très gentil avec moi tout ce temps. Alors, je voudrais te remercier de m'avoir aidé avec les cadeaux de Caleb et tout le reste. En te donnant le plus belle des récompenses, un poisson chantant. Qu'est-ce qu'il chante? Des chansons. Il est dans ma boutique depuis une éternité. Il est tellement spécial que personne n'ose l'acheter. Je pense que tu es la personne qui le mérite le plus. Ok, j'en ai de la chance. Oui. D'après la légende, les nuits de pleine lune, on peut l'entendre chanter et apprendre à appeler ses compagnons. Sachant triste, rempli de cœur, de chagrin et nostalgie, il est très utile quand on veut une soirée qui s'étermine tôt pour mettre les gens dehors quand ils restent trop longtemps chez vous. Il nous a bien servi l'été passé. Maintenant, le voici. Merci beaucoup, je l'accroche chez moi. Rappelle-toi de te parler du jour où j'ai attrapé les grandes couilles. Il manque un tonneau puis du métal.
Et voilà. Des bananes.
Avoir des bananes, hier. Il ne devrait pas être quelque part. C'est le capitaine qui est là. Il est là-bas. Je viens de comprendre. Hey! Oh! Tant mieux. Tant pis, on n'entend personne, d'accord, je ne dis rien. Tiens, les appâts qui nous restaient après la pêche. Merci. Hey! Hey, oh capitaine, hey, c'est une façon de se saluer. Hey, vous portez des lunettes de soleil. Pirate qui se respecte devrait emporter et il devrait aussi mettre de la crème solaire. Ça peut être très dangereux au milieu de l'océan. Vous n'auriez pas une paire de rechanges par hasard? Oui, j'en ai plusieurs. La dernière, je l'ai eue grâce à une mouette.
dans les notes de soleil que je cherche. Vous voulez bien les donner, mais tu prends pour qui? Tu ne crois pas que je fais la charité? Toi, devoir les mériter en faisant la course de bateau, inutile. Je veux simplement que tu me rapportes du minerai de cuivre. Il existe une île couverte de minéraux et je vais me la rentrer. Bon, d'accord. Ça me paraît juste. Parfait, maintenant je peux te donner le pain de mon cochon. Quand tu baignes votre cochon dans le cuivre, le cochon d'argile, le trophée d'une course bien méritée. Je vais légèrement le couvrir de cuivre et dire en participant que c'est de l'or pur. Pas à chaque fois, mais c'est un mensonge et tu m'as aidé. Voilà, vous avez raison, je suis maléfique. Voilà tes lunettes de soleil, merci. J'ai besoin d'aide. Je voudrais organiser une course, une de mes fameuses courses. Le pirate en raffole, évidemment, mais ça devient une sacrée organisation. Tout d'abord, il me faut du tissu pour fabriquer des drapeaux. Je peux vous en trouver. J'en étais sûr. S'il te plaît. Oui. Vite, ça. Hey! Je ne donne jamais quelque chose à quelqu'un sans obtenir au moins 20% de valeur. Donc c'était tout pour le live du jeu Summer in Myra Live, la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!